pour pouvoir avoir une certaine, bon, disons, un dynamisme dans la voix, il faudra que vous arriviez à contrôler le débit d'air que vous éjectez. Et avec ces paramètres que je vais vous donner maintenant, il vous sera plus facile de gérer tous ces paramètres ou sinon tous ces différents points que vous devez avoir à travailler au niveau du dynamisme de la force de votre voix. Il est inutile, je précise, il est inutile de forcer et de pousser sur la voix. On voit des personnes qui se mettent sur des terrains, des grands terrains là. Ça me fait rire. Qui se mettent sur des grands terrains et puis qui commencent à se mettre à crier. Crier, c'est pas chanter. Chanter, c'est pas crier. Mais crier peut intervenir dans le chant. Ok? Lorsque vous exposez votre voix à certains éléments de la nature, vous êtes en train de la fragiliser. Parce que comme je disais au début, votre voix demande un entretien très 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 minutieux. Parce que vous ne la voyez pas, vous ne voyez pas votre voix. Donc la moindre erreur que vous faites, vous pouvez la détruire, la perdre. Et pour la retrouver, il faut la grâce de Dieu. Ok? Donc, voici quelques éléments qu'il faut savoir. Des paramètres qu'il faut savoir, ou sinon des paramètres à travailler qui vous permettront de pouvoir développer votre puissance, développer votre volume sonore et le vibrato. Il ne faudrait pas d'abord que vous confondez la puissance et le volume. La puissance et le volume sonore sont deux choses différentes. Avoir une voix puissante et avoir donné un volume sonore très important à la voix sont deux choses différentes. Ce n'est pas en forçant sur les cordes vocales, mais en étant précis que l'on devient efficace. D'où le point d'avant, la maîtrise et la précision de la voix. Donc, plus vous avez de la précision, plus votre voix sera puissante. Le secret pour avoir une voix puissante, c'est d'avoir une voix assez rythmée. La plupart des garçons ont une voix assez puissante. La plupart des garçons, par rapport aux filles. Parce que le garçon, en temps normal, il a le rythme. Il a le rythme. Il n'est pas nonchalant comme la demoiselle. Il a ça dans sa gêne. C'est quelque chose de naturel. Même les scientifiques le disent. C'est naturel. Donc, de façon naturelle, le garçon, il a ça. Donc, tu vas sentir dans sa voix une certaine puissance dans sa voix qui fait de lui un homme, en fait, qui arrive à... C'est ce qui lui permet de pouvoir intimider quelqu'un en tant qu'homme. Ok? Donc, la puissance est différente du volume. La puissance du pour donner une clarté et une présence.